no? Perfetto. E poi torno invece all'ambito economico qui sopra, quello che hai fatto. Benissimo, dopo torniamo. Allora, in cosmetica del nemico, in cosmetica dell'enemy, uno dei due protagonisti è il nemico interiore, ma è un protagonista ben individuato, con un nome, un cognome, che dialoga con l'altro personaggio, che si chiama Jerome August, ma forse si potrebbe chiamare io, perché sembra la messa in scena, la rappresentazione potentissima di quello che sia Freud, Lacan dicono quando dichiarano l'io non è più padrone in casa propria, perché c'è un'altra ragione che vuole essere ascoltata, perché l'io è spossessato almeno in parte dei suoi poteri, perché non è tutto sotto il dominio della coscienza. Beh, sicuramente questa partizione nel romanzo è fortissima. Alla fine Jerome August prenderà così sul serio il suo nemico interiore, il suo tragico nemico interiore, è chi ha letto il romanzo sa come la finire. Ma lei pensa che sia possibile vivere senza ascoltare la propria voce straniera, la voce straniera interiore? En tout cas, moi, je n'ai pas réussi. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres. Je pars toujours du principe que ce qui m'arrive à moi ne doit pas être fondamentalement différent de ce qui arrive aux autres. J'ai très clairement senti naître en moi, quand j'avais 12 ans, celui que j'appelle l'ennemi intérieur. Et depuis, je suis en duel continuel avec lui. Je vous rassure, pas uniquement avec lui, mais quand même d'abord. Et heureusement, dans mon cas, j'ai trouvé, non pas une solution, parce qu'il n'y a pas de solution, mais au moins là encore un atermoiement, un modus vivendi, qui est l'écriture. Le moment de l'écriture, qui est quand même, c'est le moment le plus difficile de ma journée, c'est aussi un moment qui bizarrement me protège. C'est le moment de l'affrontement véritable entre lui et moi. À ce moment-là, le duel n'est pas évité. Ce duel qui dure 4 heures par jour, et qui prend la forme du combat avec le stylo, c'est une espèce de suprême mise en danger qui me protège étrangement. Voilà. La vraie question, ce n'est pas comment je fais moi, puisque après tout, j'ai trouvé au moins ce mode de survie. La vraie question, c'est comment font les autres. J'espère que chacun a trouvé le moyen d'affronter cet ennemi intérieur, parce que je suis persuadée que je suis loin d'être la seule à en avoir un. Allora, io torno a Barba Blu e torno nell'ambito economico che giustamente tu hai aperto prima. Volevo fare una piccola parentesi, che io sto dando del tuo ad Amelie, non per maleducazione, ma perché quest'anno ho tradotto l'undicesimo romanzo di Amelie e quindi abbiamo girato la boa, perché tu hai scritto 21 romanzi pubblicati e quindi ho girato la boa. Ne ho tradotti più io di tutti gli altri. Lei giustamente ha detto che Don Emilio è uno di questi ricchi che hanno dei patrimoni enormi e che li tengono fermi, che sono quelli che in questo paese dovremmo tassare con delle patrimoniali fortissime, perché tengono bloccata la ricchezza. Mentre la povera Saturnine, che è una ragazza brillantissima perché ha molto successo nel suo lavoro, si è laureata prestissimo, insegna, è costretta ad affittare una piccola stanzetta perché non può permettersi neanche l'affitto di un appartamento a Parigi. Quindi che cosa si consuma in questi tre partiti? Una specie di lotta di classe molto contemporanea? C'est un fantasme, mais un fantasme che a mon avis partage tous ceux qui, comme moi, ont vécu cette aventure terrible qui consiste à trouver un logement à Paris quand on y débarque. Pas seulement à Paris. C'est une aventure que je n'ai vécue que à Paris, mais je dis à Paris est quand même très, très dur. Paris est une ville extrêmement chère, où les logements sont extrêmement convoités. Et quand on débarque à Paris avec l'idée d'y vivre et qu'on a peu de moyens, on se dit qu'il va falloir recourir à la colocation. Mais même la colocation est terriblement difficile. Les chambres qu'on vous propose sont plus répugnantes les unes que les autres.
On a peine à croire que quelqu'un en voudra, et pourtant il y a toujours quelqu'un qui en veut une. Et très vite, on rabaisse ses prétentions et on est prêt à débourser des sommes absolument monstrueuses pour loger dans des chambres de bonne affect. Donc j'ai vécu ça. Et ça m'a fait vivre des aventures extrêmement rocambolesques, mais aucune qui ressemble à celle que je raconte dans mon livre. Mais ça rend mon livre très vraisemblable, parce que beaucoup de gens m'ont dit « Mais comment est-ce que cette jeune femme, qui a quand même l'air intelligente et rationnelle, accepte de vivre avec ce cinglé ?» Et je leur explique, je vous assure que si on vient de passer 6 mois à chercher un appartement à Paris, on trouve cette colocation extrêmement raisonnable. Et moi, c'est pas souvent le prix de la durée. À ce moment-là, elle ne veut pas forcément le tuer, mais en même temps, elle se dit, si en plus je dois tuer quelqu'un, mais je suis prête à le faire pour avoir la chance.